Bonjour la VOD. Et bordel. Bonjour la VOD. On est sur Subnautica Below Zero. Et c'est le chat qui l'a choisi entre ça et d'autres jeux. Et c'était assez massivement pour ce jeu. Il fait assez chaud, donc ça va nous rafraîchir un peu. Et on a fait récemment Subnautica premier du nom. Il y a tout qui est dispo. On a fini aussi Fallout récemment. J'ai quelques VOD à mettre, moi, d'ailleurs. On est adorable, c'est vrai. Mais je sais pas si on vous voit, là. On vous dit bonjour, là-haut, mais je pense que vous voyez pas trop, hein. J'ai mon autre chat. Il est là. Celui-là, on voit un peu mieux. Celui-là, on voit un peu mieux, puisqu'il y a un tout petit fond. J'ai enlevé celui-là. Même si celui-là, il est plus clean. Ouais, voilà. Bref, vous voyez les deux chats, quoi. Mais je vais pas les mettre tous. Tenez, si vous voulez voir. Voilà. Comme ça, là, vous pouvez dire bonjour, en gros, à la VOD. Mais je vais l'enlever après. Coucou, la voix de You. Salut, Konoker. P-R-I-M-E, tu connais. Tu connais. Le compte et même tout ça. Coucou. Coucou, c'est qui? Merci. 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 Coucou, Kevin. L'offre, c'est la meilleure. Ah bah, ça, on le savait. Pourquoi l'enlever? C'est super, là. Ouais, mais j'ai déjà fait des VOD comme ça, avec le chat, comme ça. C'est moi, la star. Mon chourin YouTube. Bonjour, du coup, on est sur Subnautica. Punaise, la VOD. Subnautica Below Zero. Que j'ai déjà fait, mais que là, on va refaire. Pour se rafraîchir un peu. Et puis, ça fait fort longtemps. La dernière fois que j'ai joué, c'était en 2021. Donc, ça fait un petit moment. Hop là, je vous mets là-haut. C'est beau. Je vous range. Il y a l'autre chat là-bas, mais on verra mieux pendant quand je serai dans le jeu, je pense. Sinon, bah, j'enlèverai. Je sais pas, on verra. Et du coup, j'ai plus ma partie. Mais ça, c'est parce que les sauvegardes ne doivent pas être cloudées. J'ai changé de PC. Donc, on est parti pour commencer une partie. Alors, j'avais environ 50 heures de jeu. 49, je crois. Sur ma première partie. Je me rappelle à peu près, mais pas tant que ça. Voilà. À l'époque, il y avait encore les masques et le couvre-feu. Putain, mais j'avoue, j'ai joué à Subnautica quasiment à l'époque du confinement. Alors, c'est bizarre parce que l'époque du confinement, j'ai l'impression que c'est plutôt récent, entre guillemets. Ça fait quand même 3-4 ans. Alors que Subnautica Below Zero, j'ai l'impression que ça fait 5-6 ans. Trop bizarre. Coucou. Je suis défaussée du cerveau, putain. Pause bleu, commentaire, abonnez-vous, merci. Coucou, c'est qui? Bon, on va lancer le jeu, pardon. Le X de Lock, c'est pour extrême. Non, on va pas jouer en extrême. Non, moi je joue en survie. C'est le mode de base. Il y a un autre mode. Personnalisé. Oh! Ceci désactive les succès. Je savais pas ça. Non, on va jouer en survie. On a la bouffe, la flotte, la vie, CO2, température. C'est vrai que la gestion des températures qui est beaucoup plus compliquée. Extrême, on a qu'une vie. Créatif, bon bah vous connaissez. Mode créatif, y a pas d'enjeu. Et libre pour ceux qui ne veulent pas s'emmerder avec la faim et la soif. On va jouer en survie, nous. Parce que, pour moi, c'est le mode de base d'un jeu comme ça. Voilà. Et sinon, que dire à part j'espère que ça va. Est-ce que vous entendez bien la musique, ça va? J'ai un peu baissé des trucs pour baisser les alertes, mais merci. Mais en fait, ça baisse aussi le son de mon jeu, ça fait chier. Puis sur une touche pour continuer. Ça donne déjà des ordres. Vous voyez en haut à gauche? Ah, pas ouf, hein. Ça passe. On a qu'une seule vie. Oui, bah c'est pour ça que dans les jeux, c'est bien d'en avoir plusieurs. This is the farthest I can take you on company space bunks, Robin. You sure you want this? T'entends, mon feu vert me fait un trou dans la joue? It is to me and Sam. Ici, de ce côté-là. Ouais, c'est à cause de cette lumière-là. I can use it for cover from Altera's eyes. Bah, si c'est mieux. Je sais pas du tout. Ah mince, je suis pas du tout. Ah, on joue Robin. J'avais oublié le nom de l'héroïne. Et pour la première fois dans un Subnautica, il y a des PNJ vivants. Pas juste des enregistrements de gens morts. C'est agréable. Approaching 45-46 feet. Je cache ma gueule. Batman s'est fait dans le
C'est vrai qu'on a pas de nom dans le 1, je crois. Ah yes, c'est des problèmes. Oh, la saucisse. Attendez. Ah oui, ça me fait toujours un trou dans ma joue. Oh mais c'est chiant, je veux pas de trou dans ma joue. Arrête. Je veux pas de trou dans ma joue. C'est peut-être mieux parce que j'ai un peu caché la lumière. T'es en partie dehors dans le denon. En partie dehors. Ah, tu veux dire qu'il y a beaucoup sur la terre ferme, c'est ça? Un peu plus, ouais. Ouais, un peu plus. Effectivement. Jouabilité. Hein? Général, vitesse. Maximum 10 PS. Champ de vision, tout ça. Bah, ce sera quoi, clavier? Voilà, sensibilité de la souris. Mettre à 10. C'est encore un peu trop, désolé. Mettre à 6. Enjoy your stay. Ah mince, je suis pas en QWERTY. Je me disais, mais je peux pas avancer, je peux que reculer. Alors, on va fouiller un peu. Pour essayer de choper des trucs importants pour ne pas mourir. Et on va partir là où on nous dit d'aller. Est-ce qu'on peut mourir en vrai? Est-ce que si je me mets sur la trajectoire d'un météore, je meurs? Non mais l'utilise pas enfin. J'ai trouvé de l'eau déjà. Et ma température, je suis comment? Oh, j'ai froid de fou. C'est mieux sur un PC. Ouais. Quoique après ça peut être tout chill pour s'endormir sur... Tu sais, tu mets le jeu sur le téléphone. Le jeu. Le stream sur le téléphone. Ah, et elle me réchauffe, c'est vrai. Attends, je vais me foutre de l'eau. Ah, je peux pas, c'est vrai. Je pensais. Elle nous réchauffe, mais si on est trop près, elle nous brûle. Voilà. Comment je cours avec ça dans la main, c'est un peu ridicule. Je me rappelle. Et oui, du coup, il y a un peu plus de gameplay sur la terre ferme. Mais ce sera du coup sur une sorte de banquise. Avec une majorité sous-marine, effectivement. Et de ce que je me rappelle, c'était très beau sous l'eau. Il y avait un peu plus d'endroits spectaculaires, même si dans le premier déjà, c'est assez spectaculaire. Par contre, ça, je veux... Ça m'agaçait. Est-ce qu'il est plus beau, celui-là? J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu... Que c'est le même moteur, mais qu'ils ont un petit peu optimisé des trucs. Parce que je le trouve plus joli, quand même. Est-ce que vous avez la même impression? Tu peux te mettre sous une météorite pour me réchauffer. Ouais. Oh, c'est vrai, ils sont déjà là, des petits pingouins. Merci. Je déconne. Je déconne. Non, je l'ai pris dans ma... Non. Relâchez. Et ils veulent plus me taper? Oh, il est tombé! Ils ont un peu des faces de moule. Mes petites faces de moule. Et là, voilà, il ne veut plus me taper. Mais il a trop raison. Wouhou!
J'ai déjà entendu un rugissement et je me rappelle plus des bestioles de Below Zero vu que j'ai quand même pas mal moins joué que le premier Subnautica. Oh, ils sont trop beaux. L'insulte de l'été, face de moule. Ouais, ouais. Dans le Subnautica Below Zero, je le trouve encore plus beau au niveau sous-marin. Par contre, le fait que ce soit que de la glace à l'extérieur, moi, ça me saoule un peu. Enfin, ça me saoule un peu. C'est pas ce que je préfère. J'aime bien le côté exotique, un peu île exotique du premier Subnautica pour l'extérieur. Mais pour le côté sous-marin, les décors de Below Zero sont encore plus jolis. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Est-ce qu'il y a une radio? Non, mais il y a un stockage. J'ai de la bouffe et de la flotte. Rassembler quelques outils et ressources avant de commencer ma recherche. J'espère que cette radio est aussi facile à trouver que la ferme à Lily. Ça marche, Valo, des bisous. Bon dodo et bon lurk. Tu l'avais fait, Below Zero? Faudrait que j'y rejoue, t'avais déjà testé peut-être. Lily, c'est bad girl. Bulleuse de pingouin. Mais non, j'ai volé. J'ai pingouin... Kidnappé, pingouin-nappé. Non, c'est pas comme ça. Si, en fait, kidnappé, c'est pour... Kid, c'est pour enfant. Pingouin-nappé. Pas sûr de ce que j'affirme. Juste le début par manque de temps. Ok. Je les ai tous les deux. Bah écoutez, pour se rafraîchir en été, comme je dis moi, de toute façon les Subnautica, leur seul gros défaut c'est qu'il n'y a pas de multi pour au moins découvrir avec un pote, un conjoint et pouvoir kiffer à deux le jeu. Ce serait trop bien. Scanner, on va le faire assez vite. Il me faut des piles. Hein. Couteau de survie. C'est peut-être un peu fort. Je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà, là comme ça c'est bien je pense. Moi je baisse un chouïa mon micro. Comme ça. Ah ! Voilà. Là ça sent bien. Je pense. Du coup. Caoutchouc silicone. Le silicone. Les vignes. Ok, ça c'est facile. Et la pile. Ah, c'était des plantes à ruban et du cuivre. Bon, bah de toute façon, il nous faut pile, titane, cuivre, caoutchouc. Voilà, en gros. C'est hyper, on va essayer de trouver les ressources de base. J'ai pas encore de couteau, donc je pourrais pas... Couteau, c'est juste du titane et un autre truc, je crois. Oh, merci beaucoup, mes trucs. J'aime bien comment ça casse l'ambiance. On était dans la contemplation la plus totale et dans la douceur. Merci beaucoup pour l'abo cadeau à Jacques Chirac qui est passé hier, je crois. À Sparamoniac. À Villened, Néo et Tenkai. Merci beaucoup pour les 5 abo cadeaux. Oui, il faut que je remonte. Ah, j'entends un Léviathan qui pète. Suivez les flatulences du Léviathan. Merci, merci beaucoup Titron. Merci beaucoup Mestriki. C'est parce que je disais le message de Titron qui disait face titane, cuivre, caoutchouc. Comment ça face? Coucou. Coucou, c'est qui? Félix. Merci Mestriki, merci beaucoup. Merci beaucoup bordel, merci beaucoup. Je vais mettre ça là. Ah mais attendez, comment j'ai du caoutchouc silicone si je peux pas couper? Ah non, c'est les vignes. Non, c'est bon, je les épingle. Les vignes. Un peu des vignes de riz. C'est vrai qu'il va falloir que je reste quand même proche de la surface, parce que ça va être chiant. J'oublie un peu. Conteneur de matériel d'altéra détecté aux alentours. Ah bah peut-être que je peux avoir ce qu'il me faut. Sans avoir à crafter. J'entends un rugissement, j'aimerais bien essayer de le... de resituer la bestiole qui rugit. Ouais, le jeu est plus mieux géré, je trouve. La lumière est un petit peu plus mieux. Tout est un petit peu plus mieux en fait. Sauf le fait qu'il y fasse froid. Pile ou face. C'est toi pile ou face. Non, il nous faut pile tout court.
Et face, on a dit c'est face d'huître. Qu'est-ce que c'est ça? Mais je peux pas scanner. Attendez, je prends des vignes. Ça prend full place ça. Oui. New blueprint synthesized. Oh, c'est mignon ça. Ah mais c'est des voleurs je crois eux. Ça y est, je me rappelle. Je crois que si j'ai un truc dans la main, ils vont essayer de me le prendre. Oxygen. Oui, attends, attends, j'arrive. Huître ou moule? Ah, j'avais dit moule. Non, c'était plus moule, hein. Ça faisait pas face d'huître du tout. C'est quoi la bestiole? J'entends, je vois toujours pas. T'as raison. C'est qu'huître, le mot est plus drôle. Quoique moule, le mot est très drôle aussi. Il est où le conteneur? Mais il est super long. Quoi qu'il fait... Je fais de la lampe torche. Oh. C'est un petit poisson éléphant, c'est trop mignon. Des milliards d'hectolitres et pas un canard. Peut-être, peut-être qu'on pourrait le trouver. Il y a des pingouins. On est... Alors... C'est-à-dire on n'est pas si loin. On est sur un volatile. Ou même un peu même catégorie. Perméable à l'eau. Imperméable à l'eau. Et qui bouffe des petits trucs dans l'eau, quoi. Les rugissements, les rugissements. Je l'ai mal dit, possiblement. Je vais me faire une lampe torche, ça va être chiant. Là, il y a du quartz. Je sais plus s'il m'en faut, mais probablement. Ah, encore du quartz. Je vais rentrer parce que... De toute façon, là, si j'essaie de me frayer un chemin... Enfin... C'est un peu risqué d'y aller en pleine nuit en ne voyant rien, en ne connaissant plus la map. Oxygen. Sachant que je peux me retrouver facilement sous la banquise et du coup pas pouvoir remonter respirer, ce serait un petit peu le décès. New creature discovered. Ouais, j'ai découvert une nouvelle créature. Comment il la tient à chaque fois, vraiment par la tête du poisson qui se débat. Et sûrement mieux comme manière de tenir. J'ai encore entendu le rugissement. Ah, et là, il pleut, là. Ah bah, ouais. Il pleut des bons grêlons, sa mère. Oh, c'est ça pour la pile. C'était ça, c'était ça, c'était ça. Ribbon plants contain electrolytic materials that can be used in energy storage. J'espère que ça repousse vite. J'ai trouvé qu'un titane, je vais avoir besoin de plus de titane. Et j'ai pas vu le film titane. Alors que je voulais le voir. Perméable à l'eau. Oui, imperméable, ça va, ça va. Un impair, je voulais dire. Titane. Plomb. Je trouvais deux titanes, ça passe. Ouais. Ok, j'arrive. Quoique là, il y a un caillou là. J'ai le temps. Ça va, vous voyez toutes les stats importantes. Derrière moi, il n'y a rien. Il y a de l'explosion. Oxygen. Un peu. Oui. Le PDA n'a pas la même voix. Oui. Ça fait bizarre. Calorie intake recommended. Apport calorique. 2 secondes. Mais je vais me faire de l'eau d'abord. Comment on faisait de l'eau? C'était chiant, je crois, la manière de faire de l'eau dans celui-là. Bon, déjà, pile. Important. Je sais pas si je me fais d'abord la lampe torche ou le scanner. Caoutchouc cyclone. Du verre. Je vais me faire les trois, mais j'ai qu'une pile. Sauf que là, il va bientôt faire jour, en vrai. Je vais me faire d'abord le scanner. C'est plus important.
C'est quoi cette manière de toucher l'objet mais par le dos de la main? J'ai pas trop compris l'animation, je pense qu'il y avait pas une bonne superposition des membres. All right, I have a scanner. Tout à fait. Et là, je peux pas encore me faire de l'armure, mais c'est pas grave. Coucou. De toute façon, il va faire jour. Coucou, c'est qui? Ah, je peux laisser ça à la maison. Je vais laisser ça, évidemment. Ah, le stockage est un peu mieux. C'est bien. J'apprécie fortement cet effort. Faut que je bouffe et que je boive. Vital signs stabilizing. Ah, dégueulasse. C'est hémoglobine, c'est l'hémoglobine. Bon corallien. Oh. Il me faut du poiscaille de toute façon parce qu'il va falloir que je me nourris. Ah, ils vont moins vite les petits pépères. Parce qu'ils ont froid. J'ai même pas eu besoin de nager vite. Oh. Oxygen. Le ciel est tout rouge. Ah, c'est un peu classe. Je me rappelais pas de ce genre de panorama, mais quand j'y ai joué, il était peut-être pas tout à fait fini. Si, je pense en fait. C'est juste que, évidemment, tu restes beaucoup sous la flotte ou sur les îles, tu fais pas forcément gaffe à l'horizon. Lubrifiant, c'est important quand t'es seul au monde. Ça dépend pour qui. C'est Julie, oui! Ton perso parle, ouais, ton perso parle et a des vraies interactions directes avec des gens. Ce qui est une première. Logiquement, les gros mal de tête aident à mode pendant les 8 prochains jours. Ok. Tu sens déjà que ça va mieux, la hémoglobine? Mandragore poreuse. Ok, il fait jour, je vais pouvoir aller chercher les trucs. Mais j'ai chopé des poissons. Je vais peut-être d'abord me faire à bouffer et à boire. Ou au moins à boire. Je fais les deux. Ok. Et on va essayer de scanner tout ce qu'on croit sur le passage, sachant que j'ai déjà vu un Seaglide échouer. Et plus vite on pourra le faire, mieux on pourra explorer. Même sans avoir beaucoup d'oxygène, le Seaglide ça aide vachement. C'est bien de l'avoir tôt, mais bien sûr, je vais complètement oublier où je l'ai vu. Mais en plus, il faisait à moitié nuit, alors j'avais pas trop de repères. Mais c'était en allant vers les tiges. Quoi? Ah! Ah! Je me suis fait geler! Oh, bâtard, je vais mourir! Oxygen. Ah! Putain, ta mère! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi mais je suis passée à côté de ces machins, ils m'ont pas gelé tout à l'heure. Je sais pas si c'est un Léviathan qu'on entend. C'est un Léviathan ça? C'est possible. Putain, c'était quoi? Je me suis fait jeter de la glace dessus et j'ai pas pu bouger. C'était un petit poisson qui ressemble à un éléphant. Non, 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 vous me volez pas mes objets, vous. Ah, il veut me voler, lui. Me vole pas, je viens de le faire, s'il te plaît. Non, putain, on dirait mes neveux avec mon téléphone quand j'étais petit, quand ils étaient petits. T'as des jeux sur ton téléphone? On peut jouer à Pokémon Go? Ok. Oui, c'est une sorte d'éléphant, ouais. Enfin, une sorte d'éléphant.
un poisson avec une petite trompe. Il faut peut-être un peu plus pour dire une sorte d'éléphant, mais ouais, ouais, ce genre-là, ouais, ouais, ouais. Les neveux de Locke sont des singes. Mais non, mais c'est que bon, quand ils étaient plus jeunes, puisque maintenant ils ont grandi, quand ils étaient plus jeunes, et qu'on débarquait, c'était très vite... Je vais voir ton téléphone, parce qu'ils n'avaient pas encore de téléphone. Maintenant, ils ont tous leur téléphone, alors ils s'en foutent de moi, mais à une époque... à une époque, je revêtais un certain intérêt pour eux. Celui d'avoir des jeux sur mon téléphone. On attaque trompette. Ah quoi? Ah oui, eux ils sont méchants. Oh non, et puis je vais me faire voler. Ah punaise. Oxygen. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Ah oh, punaise. Ça va être donc être ça l'expérience d'un touriste pendant les JO à Paris. Ok, je me casse, c'est bon, je me casse, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais là-bas, tiens. C'est la thèse sous-marine. Moi, mon cousin, il me mettait que sur des jeux éducatifs. Ah ouais, non, moi, non. Hein. Moi, je leur ai montré Plague Inc. Mais après, j'avais pas des masses de jeux sur mon téléphone, vu que je joue pas beaucoup. Donc après, on allait se promener et jouer à Pokémon Go ensemble. On faisait ça il y a quelques années. C'est avant. Quand il était petit. Ok, j'ai un journal. Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling. This planet is cursed. Ah, ça continue, ça va. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. Non, mais laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, c'est chiant. Just a huge creature frozen in ice. What? Ah, mais il y a plein de Where? Trucs. In a cave, not far from your lab. T'as trouvé quoi? The extra weird non, je veux pas ça. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. Une grotte pas loin de ton labo. Ah, d'accord. Ah oui, je crois que je me rappelle de laquelle il parle. Alien. An alien on planet 4546B. No. I'm serious, Sam. No. Something ain't right. See. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can't. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Ouh là là, j'étais un petit peu audacieuse là. New blueprint synthesized. Ouais, la musique reste cool, ouais. Use beacons to mark traversed territory. Show or hide the signals of your choice with your Xenoworks PDA. Ah, voilà. Now with surface support. Il m'en faut 3. Oh, mes soucis relous. Oui, je sais. Va falloir vite remédier à ça. Je fais souvent un Plague Inc. Une semaine après, il y avait le Covid. Ah, il y a eu la mode... Oh, c'est lui. Il y a eu la mode de Plague Inc. quand le Covid a été a commencé à être connu. Pas un peu avant qu'il arrive chez nous et que ça commence à être la merde chez nous aussi. Je me rappelle que ça jouait pas mal à Plague Inc. Ouais. Sur Twitch. Alors, perso, à ce moment-là, ça faisait un petit moment que j'y jouais plus, j'avais déjà tout fait. Ouais, le réservoir d'oxygène, c'est vrai que là, c'est... C'est hyper lourd. Va vraiment falloir que je fasse ça très très vite. Est-ce que j'ai déjà le plan? Je sais pas. Souvent il faut attendre un certain... Enfin, dans le premier il me semble que c'est ça. Faut déjà faire un petit truc. Avancer un peu dans le jeu pour avoir ça. Mais bon, je vais voir. C'est un 9 là.
Let's go. Est-ce que eux, si je passe dedans, ça me donne de l'oxygène? Je suis plus sûre. Oxygen. De toute façon, il y a des méchants qui veulent me buter. Des poissons, quoi. Oxygen. Oui! Un autre. Ouais, mais ça va être que des petits poissons à la con, ça, non? Oh, vas-y, je prends. Non, mais tu saoules! Je peux pas me trimballer avec un objet à la main! Et toi, pourquoi tu m'attaques? Y'a aucune raison! Oxygen. Oui! C'est beaucoup trop hostile! Oh là! Bah si, y avoir des câlineurs, bah il me semble que non. Il me semble que non. Ah peut-être Féline, faut que je check, j'ai pas regardé en vrai. Équipement. Ah je peux avoir un... ouais. Ok, il me faut des mailles de fibre. Ah mais oui, il fallait que je coupe avec mon couteau. C'est vrai, c'est vrai. Tendé. Maintenant j'ai détecteur de matériaux. Détecteur de proximité, servant à trouver les matériaux, les fragments et d'autres objets disposant d'une signature identifiable. Ça c'est trop bien, ils ont remplacé la salle de scanner par ça. Ça c'est nice. La bouffe, je peux pas m'en faire. Ouais, super. Je vais manger, tiens. Arrête avec tes bruits. Y'a pas un mode misophone? Je me rappelais pas de ça. Volume principal, ambiant voix. Peut-être d'envoi, je vais mettre un peu moins fort. Je sais pas. Le même bruit quand elle boit sa gourde. Mais même pas vrai en plus. Ça fait un bruit de métal au mieux. Mais les gens, ils boivent pas vraiment dans la vraie vie. Hein. On boit pas en faisant des... Vous avez entendu ou pas? Le fameux... Voilà. Personne boit comme ça. Des petits vieux ou quand c'est très chaud. Mais en vrai, dans la vraie vie, quand tu bois, bah tu fais très peu de bruit. T'as pas de... Tu vas pas aspirer, t'attends que le liquide vienne à toi. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, ça dégoûte. J'ai du métal. Non, je vais garder ça. Coco. Coucou, c'est qui? OMU. Tu sais, clairement, ça dégage, ça me saoule. Ça dégoûte. Tu sais, quand on boit sa soupe en hiver, bah, pff, moi, la soupe, de toute façon, je la bois... Bon, j'en bois pas si souvent, mais... Je peux pas la boire brûlante, j'attends, quoi. J'attends, je souffle. Et même quand je bois ma cuillère, je fais pas des... Je fais... Voilà, je verse la cuillère, quoi. Je vais pas... C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, il nous faut quoi? J'ai oublié. Je suis en train de chouiner. La voix, c'est probablement les dialogues. Bah oui, je sais bien, mais bon. Il a disparu. What? Oxygen. Ah oui, si, je me rappelle. Il faut que je coupe des mailles de fibre. La gourde à la salle, j'aspire l'eau. Ah ouais? Ah mais t'as sûrement la pipette là, tu sais, le truc où tu presses en même temps tu aspires l'eau. Et ça c'est autre chose. Et ça fait pas de bruit. Coucou Eteru! Petit truc sur la tête de l'autre, t'as vu? C'est un petit canard mais il est un peu bizarre, mais c'est un petit canard. J'entends des bruitages bien creepy! Maille de fibre, donc, c'est vers les plantes, et les plantes, il y en a... Oxygen. Oui. Ouais, parce qu'il nous faut absolument une bouteille d'oxygène, là, c'est trop relou.
C'est par là? Oui, je les vois d'ici. J'aime bien cette ambiance un peu pesante. J'aime trop ce suspense d'une bestiole qui peut pop à tout moment. Même dans la vraie vie, j'aime trop ça. Regarder au loin dans le vide ou de loin en dessous de nous et se dire tiens, il y a un truc qui peut arriver là maintenant. J'aime trop. Là, je vais tout casser. Coucou. Coucou, c'est qui? C'est Salama. Salut, Salama. Voilà, là, je casse tout, là. Ah, ça, c'est du matos bien utile. Du cuivre et du titane, c'est nickel. New blueprint voilà. Synthesized. Oui, on est sous l'océan. Oxygen. Comme les chats aussi, ils aiment regarder dans le vide. Ah ouais? Non, les chats, ils aiment observer, ils observent absolument tout. Je me demande ce qui se passe dans la tête d'un chat. Ça se voit qu'il est... Je sais pas, ça donne... Quand un chat observe un petit peu l'extérieur et tout, il donne l'impression de réfléchir. Bon, j'imagine que les chats sont totalement doués de réflexion, mais je me demande comment ça s'articule dans leur petite tête. Alors je me fasse de la flotte avec ces petits poissons là. Ah, j'ai toujours pas vu d'autres plans de sea glide. Non. Ah non, en fait. Il y en a pas eu, mais j'ai pas regardé aussi. Oxygen. Ouais, ouais. Oh là là. On va vite régler ça. Il me faudrait des palmes aussi. Je pense qu'elles sont pas trop chiantes. Il doit falloir du caoutchouc. Enfin, si j'ai le plan. J'ai pas fait gaffe de si je l'avais, mais je crois. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de dormir? Moi? Eh ben moi je dis, si t'as déjà mangé, t'as probablement pas faim. Et si t'as sommeil, le fait de bouffer, ça va te réveiller. Moi en tout cas, ça me fait ça. Donc si tu veux t'endormir pas trop tard, c'est peut-être mieux de pas manger maintenant. Si tu t'en fous, tu t'en fous, tu vois, t'es un peu dégène et finalement, respect total. Respect total. Qu'est-ce qui me manque? Les palmes, il me faut du coup, tu sais quoi, une maille de fibre. Et ben ça, je peux en faire des mailles de fibre. Non, mais c'était la pensée du chat. Tu penses? Non, c'est sûr que, pardon, oui, effectivement, on parlait de ça. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de réflexion chez un chat, j'en suis certaine. Je suis certaine. Ah, mais c'est complètement en train de pourrir. Eh ben, je vais m'en occuper alors. Là, je vais refaire de la maille de fibre. J'ai envie que ça pourrisse. Peut-être baisser un peu les bruitages, non? Peut-être baisser un peu le tout. Un tout petit peu. Réservoir d'oxygène, c'est bien. Et du coup, caoutchouc silicone, bah je crois que je peux en faire. Ah, let's go, je l'ai. Ça va être bien. Un petit sauvegarde aussi, tiens. Il m'en faut deux, j'en ai pas deux. Ah bah si, c'est bon. Trop bien. Ah oui, ça me les fait x2. Voilà, j'ai le petit stock. Et du coup, pour les palmes... C'est bon, on va pouvoir nager un petit peu plus vite et avoir un petit peu plus d'autonomie au niveau oxygène. Et on a eu l'outil de réparation déjà, d'accord. Mais je pense que le détecteur matériaux sera plus utile. Je crois que je peux me faire des piles. Où est donc mon esclave humain? Peut-être aussi. Le Nutella et la chantilly me draguent en disant « va pas dormir, pense à nous ». Je comprends.
Tu compatis. Aujourd'hui, j'ai pris un cornetto Nutella. Enfin, c'est pas les cornettos, mais c'est un cornet, une glace Nutella. Pas une glace Nutella. Kinder Bueno. J'ai quand même trouvé le moyen de rajouter de la chantilly sur ma glace. Qui est un cornet, tu vois, donc j'ai rajouté. Ceci dit, franchement... franchement, je suis sans limite. Est-ce que je me fais ma lampe torche? Ouais, ce serait bien quand même. Je la fais et je fais l'autre truc. Incapable de manger quoi que ce soit sans gentil. Quand tu regardes en train de réfléchir, t'as l'impression qu'ils se disent « Est-ce que je vais me débarrasser... » Je vais me débarrasser de cet humain en premier. C'est vrai que t'as l'impression qu'ils... Que s'il pouvait parler à quelqu'un pendant qu'il réfléchit, il dirait vraiment des sales trucs sur toi en te regardant. Un chat, quand il te regarde, ça a toujours tellement l'air hautain et plein de jugements. Je pense qu'il parlerait trop mal de nous s'il pouvait. Je sais pas ce que je cherche, j'ai oublié. Y'a jamais assez de chantilly. Ah, disons que, ouais, moi je remets par-dessus, je mets de la chantilly par-dessus de la chantilly, quoi. Ça sert à rien, chantilly, en plus, hein. Mais, je suis beaucoup trop fan. Ça c'est fait. Et ben... Ah oui, si, j'ai oublié. Je vais me faire le détecteur de matériaux. Il est où? Alors j'ai la pile, caoutchouc, silicone jet, titane et fil de cuivre. Ah, fil de cuivre, mais je peux en faire, je crois. Ouais. Voilà, je sais pas trop comment il marche. Mais ce sera forcément utile à un moment. Ça se marie bien avec le Oli et la chantilly, du coup. Je suis pas testée. Je suis pas tellement fuckée du cerveau non plus. C'est que c'est moi, quand je fais mes desserts, j'aime bien leur donner un petit peps, quoi. Mais, Non, si, j'avais déjà testé, par contre, des cocktails avec de la chantilly, j'avais bien aimé. Mais tout le monde n'était pas fan. Il y avait de la noix de coco, je crois, aussi, un autre truc. C'était très... c'était des goûts très doux. Un cocktail avec alcool, hein. Je sais plus ce que c'était, par contre. J'ai de la bouffe et de la flotte, mais il m'en faudrait d'autres. Ah ouais, j'ai déjà soif. Ah oui, et du coup, ça, je vais l'enlever. Je vais mettre ça à la place. Ah, je peux sauvegarder. Tiens, une petite save. Voilà. Ok. On a un peu plus d'autonomie, normalement. Je suis à combien? Je suis à 60. 70, je pense, de 65 d'autonomie en oxygène. Ça va pas non plus changer du tout au tout. Du tout au tout, du Audrey au tout, mais le... Là, le truc, c'est que vraiment, je passais mon temps à faire des allers-retours entre la surface et 3 mètres plus bas, et c'était très relou. Ça va être un chouïa mieux. Pas beaucoup, mais un petit peu. Oh, qu'ils disaient, de l'or ? Ah, veine de minerai. Là, c'est un gisement. C'est rigolo, ça. Il y a des poissons qui sont coincés. C'est rigolo, ça aussi. C'est hyper rigolo, finalement. Des barres. Je me rappelais pas qu'il y avait ça. Oxygen. J'apprécie plutôt le truc, le principe. Elle a le siphon au frigo prêt à dégainer en permanence. De chantilly, oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. Alors que pourtant, j'aimerais bien consommer moins de laitage. C'est pas ouf pour plein de raisons, au niveau environnemental. Niveau traitement des bêtes et tout.
Et pour un truc aussi futile que la chantilly, franchement... Mais c'est vrai que ça, c'est encore un truc où pour le moment, j'ai un peu du mal à m'en passer, ouais. Ça peut se faire la chantilly avec du... de la crème... végétale, enfin de la crème de lait végétal, là. J'ai des doutes. Ce qu'il a dit une fois, oui, c'était vrai. C'est mon moi du passé avait complètement raison, ouais, il me connaît bien. Mm-hmm. Oh, c'est mignon ici, regardez ça comme c'est mignon. C'est rigolo, Yadi. Et ben là, je cherche les carcasses de Sea Glide. Un petit peu. Et il y a un enregistrement qui a dit qu'il y avait une grotte pas loin, donc va falloir que j'y aille, mais. J'aimerais bien avoir un peu plus de matos. Bah, le Sea Glide en fait. Ah, tiens. Plus qu'un. Que c'était là? Un truc qui est passé très vite. Ah oui, c'est ça, ça veut me taper tout le temps, ça. Oh, ça fait des dégâts! C'est des sortes de veines glacées, là. Ok, j'ai rien dit, ça fait pas du tout des dégâts. Quoi? Je suis très proche d'un immense mob. Wow! Super. C'était une plante. Là, 20% d'eau, 60% de gentil, 20% de dégène. Ah ouais, ça doit dépendre des saisons, mais les comptes sont pas trop mal, là j'ai l'impression. On est sur une proportion assez, assez ressemblante à la réalité. Tu serais pas scientifique, Titron? Les stats me semblent assez précises. Et c'est... Ah, ben voilà! Merde! C'est trop chiant, c'est trop chiant! Je m'en vais très lentement parce que vraiment je vais pas vite. Et putain, il me suit encore! Lâche mon iPhone! Oh, qui c'est ça? Mais c'est bien que je sois là! Mais je vais mourir? Ah non, c'est bon. Non, mais le petit éléphant, je vois bien qu'il arrête d'essayer de me buter, ce serait super sympa. Là, t'essayes même plus! Pourquoi là, t'essayes pas? Pourquoi t'es bizarre comme ça là? Eh ben, je vais prendre un petit egg. Ah, jeez. These sea monkeys are gonna get. Ces singes de mer risquent de me causer des ennuis. Mais toi aussi! Troisième cargaison que ces petits chapardeurs me dérobent, pas me dévorent. Il nous reste plus beaucoup de fusées éclairantes et il va falloir fouiller les nids à proximité. S'ils ont de la chance, ils ont de la chance d'être aussi mignons. Le raton laveur des mers. Oh, hein, c'est vrai qu'ils sont pipous. Moi, c'est vrai. C'est vrai. Comme quoi, hein. Être mignon ou sexy, c'est quand même un avantage. Pas chier. Ah, c'est bon! Ah, mais j'ai déjà eu le Sea Glide, en fait. J'ai même pas fait gaffe. J'étais trop concentrée à... Oxygen. Ah! Ah, mais ouais, il y a des flèches. J'ai pas beaucoup. Elle provoque. Comment ça, elle provoque? J'ai pas provoqué, j'étais en train de menacer. Ça a rien à voir. On a voir, hein. Qu'est-ce que j'ai? C'est un disque. J'ai chopé un disque. Jukebox. Mais trop bien, je me rappelais pas qu'il y avait un jukebox. Au bout du ton. Oh, ah bah ça, c'est quelque chose, ça. Alors ça... Ah, j'ai déjà eu. Peut-être le Sea Glide, à tous les coups, éclairant de ses morts, m'en fous. Et là, il y a des petites flèches. J'ai ma balise. Je vais peut-être la foutre ici. Parce qu'il faudrait que je continue à explorer là où il y a les flèches. Mais je vais me faire mon Sea Glide. Elle est où? Bah, elle est dans ma barre. Attendez, je sais plus comment faire. Putain. Je faisais rien là. Une balise. Non, de la balise. Truc avec flèche. Okay.
oxygen. Ah, c'était un fragment de balise. Oh mince, donc j'ai pas le Seaglide. Je les confonds un peu. Merde. Du karaoké Subnautica comme avec Snaku. J'ai pas la ref. Mais moi, je veux pas vous torturer, hein. On dirait pas, mais je vous veux du bien en vrai, hein. Et puis bon, je préfère garder mes viewers, quoi. Il a encore essayé de me défoncer. C'était gratuit! J'ai essayé de me tuer gratuitement! J'ai rien fait! Ah, oh, t'as de la chance que je sois vraiment lent comme une petite merde! Oui, j'ai le Seaglide! On va aller le faire, hein. Là, je me traîne le huc. Comme un arthropode. Pff, aucune idée. Ça me gratouille. Attendez, je baisse parce que ça me gratouille un petit peu au-dessus du sein et du coup, ça a l'air bizarre. Ah, voilà, c'est bon, ça va. Magasin Haribo. Avec la carte du magasin, tu as des avantages. C'est dangereux, ce magasin. Je peux comprendre, ouais. Je suis pas une grande fan de Bonbec. Donc moi, ce serait plutôt des boulangeries et tout ça qui sont plus des lieux de tentation pour moi. Les Bonbec, ouais, tu vois, enfin... De toute façon, depuis que je veux jouer, j'en mange plus puisque j'ai pas envie de me demander à chaque fois quel type de gélatine machin. Oh, flemme. Mais c'est vrai que vu la quantité de sucre, je pense que tu peux vraiment avoir un côté très addictif. Moi, j'ai ça avec plein d'autres trucs. Hein. C'est pas les bonbons, mais tout ce qui est gâteau et chocolat, ça n'y échappe pas. Coucou, c'est qui? Hey, Super Marsouin, on est dans un élément. Encore. Mais par contre, j'avais fait des cadeaux, en cadeau des trucs Haribo à mes potes là pour quand je suis allée à Paris récemment. Et c'était sympa. Il y avait une boutique Haribo avec des plaids Haribo, des bougies, des grands pots à bonbons en verre assez jolis, un petit peu à l'ancienne. Et ça, c'est des idées de cadeaux un petit peu sympas quand tu devais faire des cadeaux même à une personne que je connaissais pas. J'avais juste que c'était une nana qui avait à peu près mon âge. Du coup, je me suis dit, tiens, tu pourrais être sympa. Et dans cette boutique, bah, j'ai trouvé du petit truc. Qui changeait ramener des fleurs, ramener une bouteille ou des chocolats. Là, au moins, j'ai ramené des bonbons, un plaid, des bougies, des trucs comme ça. Et c'était sympa. Ah ouais, toi, c'est Dragibus en dessous qui a la Nouniel. Même pas les chamallows ou... Ou les... comment on appelle ça? Les fraises Tagada. Ça, moi, j'aime bien, hein, mais... Enfin, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé, du coup. Mais... ouais, mais vraiment, c'est pas le truc où j'en mangerai des tonnes. Quand j'en mangeais. Par contre, des cookies faits maison dans des boulangeries qui savent très bien faire ça, là, où t'as encore le cookie qui est totalement mou et plein de beurre. Ça, par contre, j'en ai mal au ventre. Hein. Oh, la pâte à cookies aussi. La dernière fois que j'ai fait de la pâte à cookies, j'ai eu trop mal au ventre. J'en ai trop mangé pas cuite. Et tellement meilleur. La pâte à gâteau, la pâte à cookies, à quel point c'est oufissime quand c'est pas cuit, quoi. Mince. Ok, attends. Du coup, j'ai posé la balise et le Seaglide, c'est ça que je devais me faire, j'ai déjà oublié. Alors, fil de cuivre, titane, pile lubrifiant, je crois que j'ai plus de quoi faire du lubrifiant, je vais chercher. Je m'y attelle. Et c'est bon, on pourra un petit peu aller plus loin, se déplacer plus rapidement, je me ferai deux, trois petites piles d'avance pour être tranquille et on va pouvoir partir en vadrouille. Les ours en guimauve en choco, ouais, ça je comprends aussi. Et est-ce que vous êtes du genre à
bien aimé, voire beaucoup aimé la réglisse. Et souvent, ça va de pair avec l'anis. L'anis, la régli et l'anis. Ou vous êtes totalement de la team. Ça me fait vomir, je ne comprends pas que des êtres humains puissent consommer ça. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Allez, laisse-moi choper, s'il te plaît. Merci. Pâte à gâteau au yaourt, pas cuite, c'est la base. Bah ouais, quand j'étais petite, on faisait souvent des gâteaux au yaourt, et ça... Ah, c'est chaud, hein. Surtout quand t'as un peu, en plus, un marbré chocolat, donc t'as une partie en chocolat, gâteau yaourt, et une partie pas chocolat. Oh là là. Mais bon, je pense que le côté œuf pas cuit et tout, ça doit pas être dingue pour la digestion. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Du galène. Ah, c'est le truc qui contient le plung. Qui du plung. J'adore la réglisse, mais je déteste l'anis. Ah, mais je savais pas ça. Ok. J'aime pas l'anis, mais la réglisse, ça va moyen. La réglisse, c'est trop bon. Moi, j'aime bien les deux. Mais je pensais que ça allait souvent de pair. J'aime bien anis et réglisse. Mais je pensais que ça allait souvent de pair, que quand t'aimais bien un, t'aimais bien l'autre, et inversement. Ok. Oui, c'est bon, j'ai pas besoin d'autres trucs là, je prends... Mais de toute façon, j'ai plus de place. Donc je continue aussi du titane un peu. Ou du cuivre pour des piles. Et la petite lampe pour les piles aussi. Donc ça, c'est bon, j'ai plus besoin. Bon là, je pense qu'on est bien niveau compo. Ah, je pouvais scanner un truc. C'est quoi? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oui. Tu sais. Ah, j'ai plus de place. Un truc est tombé. Oh, c'est du plomb. Bon, je remonte. De toute façon, j'ai plus de place. Elle est où ma maison? Oxygen. Oui, j'arrive. Je kiffe de fou la réglisse, mais pas top pour l'anis. Ah oui, d'accord, ouais. En fait, la plupart des gens aiment pas trop l'anis, finalement. Enfin... Ça dépend peut-être des générations aussi. Ou de là où t'es. Je sais pas pourquoi, avec mon frère, on aimait ça. Parce qu'on en consommait très peu, en fait. Nous, on se faisait des bonbons à l'anis et des sirops à l'anis. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. La pâte à gâteau, yaourt, j'en faisais pour le manger pas cuit. Ouais, mais t'avais mal au ventre après, on est d'accord. La pâte à gâteau pas cuite. C'est tout le monde qui a ça, qui a mal au ventre quand même, non? Ah ouais? Laisse-moi, ça me faisait mal au bidou. Attends, mieux, c'est peut-être une bonne chose. Du coup, il fallait... Ah, mais j'ai plus de place, moi. Il fallait quoi pour le cyclage? J'aurais pu regarder avant. Pile de cuivre, ok. Et pile, ah oui, c'est vrai. Pile. Je les ai toutes utilisées, vraiment? Mais qu'est-ce que c'est que ces batacouecs? Oh, hein. Ah mais oui, j'ai trois objets avec des piles. Ok. Ok, je doutais fortement, mais maintenant j'accepte. Super, Windows Defender qui me dit que bah tout va bien. Bah c'est super, tu peux arrêter le pop-up, merci. Ah bah du coup ça a tout fait bugger. Ah bah non, j'ai plus de place. Pareil. Pardon. Je suis en train de chouiner mais ça va. Je chouine pas, promis, j'arrête ça. Je vais refaire du lubrifiant. Je suis montée à l'envers moi. Fil de cuivre, je disais. Et pile. Je fais d'abord ma pile. Et j'en fais une autre. Et fil de cuivre, c'est deux de cuivre.
On va pouvoir se déplacer un peu plus vite. Et ça, c'est trop cool. Is a personal transportation device used for high speed free diving. Contains a built-in light and map. Bah ça, je vais fabriquer un truc avec et je vais virer. Just winning. Ouais. J'ai une pile. C'est super. D'avance. J'ai de la bouffe de la flotte. Du heal, je vais le garder sur moi. Une fusée éclairante, j'en ai une. Ok. Ça me semble correct. On va pouvoir partir en explo là où j'ai mis ma balise. Ah ouais, avec des indications très précises. J'ai une machine comme ça dans le futur. Je sais. Je suis un peu en retard par rapport à ton futur. En même temps, c'est logique. Mon futur à moi, c'est ton passé. Profonde de fou, cette phrase. Je fais des détours, ça me sert pas. Ça ne m'est pas d'une grande utilité de faire des détours, je vais éviter. Faudrait que j'explore les trucs comme ça. La grotte, quoi. Je ferai ça. Il y a du bordel. C'est bon. Ah, punaise, c'est un peu plus... Voilà, on respire un petit peu. Cette liberté fait fort plaisir. Donc ça, je peux aller à côté, y a pas de souci. Non, voilà, je me rappelais. J'avais dit que c'était méchant. Ah! Attends, la flèche est dit... Ouais, par là. Par là, hein. Là, mais pendant combien de temps? Oh! Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ah! Qu'est-ce que ça? Oh, je parie que ça, c'est un œuf d'éléphant. Bon, voilà, je sais plus par où je vais aller. Je m'en fous, j'explore. Peut-être baisser un tout petit peu les bruitages. Un tout petit peu, pas beaucoup. C'est que j'aurais bien aimé baisser le bruitage de des machines. Oh oui, un Léviathan là. Tiens. Oh, elle était classe. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé son entrée en scène, j'ai trouvé ça très théâtral, ça m'a beaucoup plu. Oh, mon joy. Il y a ça là. C'est bon, je vais mourir. Je vois rien de ce qui se passe sous l'eau, donc c'est que je suis en sécurité. Va dodo, petite Valo, va dodo. C'est trop petit pour un Léviathan. Ah, pas lui. T'as pas vu l'autre truc? Regarde ça là. C'est un Léviathan ça, hein. Oh, je pense que c'est pas trop petit, hein. Je pense que c'est la bonne taille, ouais. Faudrait que j'aille le scanner en vrai. Oh, c'est sûr, c'est un Léviathan. J'ai
J'aime beaucoup le fait de le voir, de l'entendre sans le voir. Ça te met une presse. C'est totalement du Léviathan, ça. Ah non. Chélie serrée. Oh, il m'a mangé. Vous êtes mort, bah il semblerait. Oh merde. C'est un chélie serré. Il m'a chélie déchiré quoi. Oh non. Bon. J'ai sauvegardé avant de partir en bateau ou moi. Ouais, ça va. J'y retourne. Elle est où ma petite baliste? Là-bas. Balise? Enfin, une baliste. Baliste, c'est un engin de guerre ou un poisson? Il m'a chéligobé, mais oui! Faire tout le chemin. Pour le scanner. Ouais, on va faire ça. Mais c'est pas grave, maintenant je cut. Mais bon, on va pas laisser s'en sortir comme ça. Après, j'étais pas full aussi. Vu que absolument tout veut me buter. Ah, mais il va falloir que j'aille là, moi. Hmm. C'est intéressant ce truc. Ah, regardez, une cage à requin. Enfin, une cage à requin. Une cage à exploration. Exploration des fossés sous-marins parce qu'il y a des requins. Non, j'ai raté mon saut parce qu'il y, y a un pingouin qui m'a gêné. Arrêtez de me gêner. Ah, putain. Ah, ah, je pouvais scanner un truc. Les bébés, c'est ça? Oui. Mange une nez. Arrête. Oh, ça saoule. Et une échelle. Mais oui, mais je pensais que c'était la taille d'un Léviathan, moi. Je sais que c'est en fonction de la taille qu'on appelle Léviathan tout ce qui est à partir d'une certaine taille. Tu sais, je sais. Mais je pensais qu'il était assez grand pour être du Léviathan. Il est balèze quand même. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Je vais par où moi maintenant? Merci pour l'oxygène. Ah, oh, c'est intéressant ça aussi. Non 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 non, je vais affronter Léviathan. Pour ma vie. Ma vie. Ah, les flèches. Je viens de la bonne direction. De toute façon, faut que j'entende les hurlements. C'est bien par là? J'ai un doute maintenant. Ouais. Faut que je respire. J'ai envie de tout scanner aussi. Mais monsieur n'est pas encore d'accord. Comment ça?
En ce moment, t'es sur One Human. Coucou, t'es... Je fais des ploufs pour nous affaiblir, c'est ça. Oran a voté au début de la soirée, c'est Somnotica qui l'a largement emporté sur ce qu'on allait faire. Je vais pas dire que ça m'a dérangé, hein. Mince, mais c'était pas la bonne zone, mais j'ai mal suivi la flèche. Comment je me suis démerdée, moi? J'entends même plus les hurlements. Tu Léviathan. Léviathan! Ça a été Lethal Company, petit tenté. Oh tiens d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu. Je sais pas si ça a l'air cool, mais je suis curieuse. Le jeu à la Lethal Company, mais qui se passe sous l'eau. Ouh, mais ça c'est scannable ça, dis donc là. Oh, comment c'est beau. Par contre, t'as l'air de galérer à nager toi. Oh, l'arrêt arctique. L'arrêt trop métal, ouais. L'arrêt de métal. On peut faire beaucoup de jeux de mots hein, avec cette base quand même. Mais là tout de suite j'ai rien de parfait. Oh c'est trop long. Je m'en vais. Oh, j'ai un truc en morse. C'est pas SOS. Ah si c'est SOS, SOS, SOS. Sounds like a distress call. C'est le message le plus simple que tout le monde reconnaît normalement et moi je dirais que c'est pas ça. Comme si j'en connaissais d'autres. One Human il est pas gratuit. Moi je tiens un peu quand c'est payant. Bah après je peux comprendre quand c'est un pay too fast. Ou des trucs comme ça parce que en fait tu sais que si tu te lances là-dedans tu vas te mettre à devoir payer pas mal de choses. Par contre quand c'est un jeu qui te plaît et que c'est un pay to play en plus bah là genre mettons Subnautica, il est peut-être en réduction en ce moment, faut voir. Ou un jeu du genre et que tu sais que tu vas kiffer, là moi je trouve que c'est différent. Mais ouais, pour un jeu qui à la base est free to play mais où on commence à te demander de payer plein de petits trucs, tu peux comprendre que plein de gens soient pas très chauds. Parce que souvent une fois que t'as fait le premier paiement, tu vas moins rechigner en faire d'autres. Psychologiquement, il y a un truc qui va faire que tu te dis « Oh bah allez, c'est que ça, c'est que 5 euros, c'est que machin. » Il y a pas mal de chances pour que tu te mettes à le faire plusieurs fois. Delta Station. Delta Station. C'est le place Lil mentionned in her message. Bon, on est dans la zone à peu près là du Léviathan. Enfin, du Léviathan, c'est pas un Léviathan du coup. C'était un. Un Chibrosaur. Mais je l'entends pas. Mais t'es dans une zone un peu à côté. Oh, c'est stylé ça. Là c'est classe quand même. Regardez juste cette vision. Je trouve ça trop attrayant. T'as envie de te baigner avec eux. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a du gluant là? J'aurais dû scanner. Warning. Ah, c'est ça. 30 seconds of oxygen remaining. Ton père est rentré avec la tête ensanglantée? Bah punaise. T'as dû flipper un peu. Il est penché pour ramasser un truc, il s'est cassé la gueule. Ouais bah s'il était éclaté.
juste une égratignure. Quel enfer, vivement que tu puisses. Mais après, n'empêche. Quand tu auras ton appart et qu'il sera solo, comment il s'en sortira, quoi? Il est là. Ok, ok, ok. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas... Attends! J'étais pas prête! J'étais en train de scanner un petit poisson, putain! Ok. Oh, il va vite! Mais il est magnifique, hein! Il est vraiment très très beau. C'est un beau Pokémon. Ah, il m'a vu! Putain, il m'a éclaté. Allez, scanne-le. Ah, il veut pas? Oh. Ah, parce que j'ai réussi la dernière fois? Bon, faut que je m'en aille. Faut que je sois hors de sa portée. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ouais, ouais. New blueprint synthesized. Oxygen. Je suis tellement dans la sauce. Tellement. Ah. Ah. Je me suis donné pour toi, putain, je me suis donné. Compliqué. Deuxième bruit. Ouais. Ouais, non, mais hanté, après, c'est pas qu'ils se sont obligés, c'est qu'ils s'en servent comme excuse. Hein. Là, je sais, je sais, je sais. Mais c'est vrai que oui, il a l'air de se bourrer la gueule assez souvent. Bon courage pour toi. Hein. Bon courage, bon courage. Faut pas être foufou. Ok, bah c'est cool, hanté. Hop. Bon bah moi, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Ils sont forts, les mobs, ils sont forts. Qui est son fou? Qui est son fou? Qui est son fou? Ah, maintenant, j'ai un réservoir d'accélération. Utilise l'oxygène pour augmenter la vitesse. Oh, non, j'aime pas ces bails-là, j'aime pas, j'aime pas. Je peux faire que de l'eau filtrée pour le moment, c'est chiant. Je vais faire un bureau, c'est super. Ah, j'ai ça. Ok, et eh bon, on va y aller vite fait. Et je vais sauvegarder. Quoique, pas si nécessaire, mais je le fais. J'ai bientôt plus de piles déjà. J'aurais pu peut-être m'en faire une avant de partir, mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Bon, j'en ai déjà une. C'est la station Delta. Eh ben, let's go. Bah, c'est là où je suis déjà allée, je crois. Bon, on va voir. Moi, je touille mon miel à la main. Ouais, j'ai réussi à scanner, je pense. Mais je sais plus où c'est. Bah, j'ai pas pu le scanner en tout cas. Ah, herbivore grand. C'est pas un herbivore. Bah ouais, mais j'ai pas pu le scanner. Du coup, bah je ne sais quoi penser.
Ah bah j'ai pas de quoi commencer ma base. De toute façon c'est hyper tôt là. J'ai pas de fabricateur et tout. Hein. C'est pas maintenant du tout. Enfin c'est pas maintenant du tout. Il y en a qui peuvent rusher parce qu'ils savent exactement où tout se trouve et tout, mais là dans l'exploration c'est pas encore le moment. Ouais, le jeu est joli, ouais. Il est, comme je dis, c'est le même moteur que Subnautica, mais ils ont amélioré des trucs. Et il est très fluide. J'espère que ça se voit pour vous. Très agréable. J'adore voir un speedrun une fois fini. J'en avais vu un de Subnautica, mais pas de Below Zero. Ouais, en général, tu vas pas avoir plein de glitch de fou dans des jeux comme ça. Pour aller, il y en a qui ont des trucs pour dupliquer, par exemple, ça aide. Mais c'est vrai que, ouais, tu vas être obligé de passer par pas mal d'étapes du jeu de base, et c'est assez intéressant de voir comment les gens optimisent ça. Bon, sachant que c'est pas procédural. Tout ce qu'il y a est prévu et est au même endroit tout le temps. Bon bah je scanne pour dans ma base. Ah oui, un petit cube de stockage, ouais ouais c'est vrai. Ça je pourrais, ouais. Ça je pourrais, ouais. C'est vrai ça. Mais je le ferai pas. This is a recorded message. If you can hear this, you're trespassing. Vous êtes entré dans ma propriété, si vous voulez pas de problème, débarrassez-moi le plancher. Je me rappelle d'elle. I remember that. Ma petite liste thermique. Les petites fleurs radiateurs. Coucou, c'est qui? C'est Lox, je viens. Tu viens pour squatter chez vous, il a l'air d'y faire bon. Et vu le message d'accueil, je pense que vous serez parfaitement accueillante et chaleureuse à mon arrivée. Je n'ai aucun doute là-dessus. La machine à café donne du café dans un ici aussi. Je pense. Je pense, mais j'ai même pas testé. Je crois que j'ai jamais crafté la machine à café. Oh. Oula, pardon. J'ai failli me cramer les poils. Requête Emmanuel. Oh, il nous fait chier, Emmanuel. Hein. Fait chier, Emmanuel. Hein. T'es tassé, Emmanuel. Hein. Putain, ferme là, Emmanuel. Hein. Manuel m'a donné cette espèce de scanner débloqué en disant j'ai besoin de plus de pommes de douche. De pommes de douche. Papa, papa. Meurs-tu beaucoup, mon globine? Pour ton finesse 35e mois. C'est beaucoup. Meurs-tu beaucoup. Meurs-tu beaucoup, beaucoup. Merci Emo, c'est adorable, merci beaucoup. J'ai besoin de plus de pommes d'une douche. Ceci devrait t'indiquer où se trouvent les minéraux nécessaires. Pourquoi il a ajouté... Il a ajouté de garder ça pour moi. Je suppose que c'est tout ce qu'on obtient avec un master de géologie appliqué, un super emploi d'ouvrier, un bâtiment. J'aurais dû écouter papa et étudier le droit interstellaire. Bref, il faudrait que je fasse citer Manuel. Je ne sais pas ce qu'il a fait au scanner, mais il est particulièrement efficace pour trouver les matériaux ciblés. Ok. Eh ben, merci, Manuel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Super. Génial, hein. Fragment détecteur de... Oui, j'ai déjà, moi, ça, j'ai pas besoin, je m'en vais. Ça me saoule. Je me vais. De toute façon, il faut que je monte, moi. Bah oui, hein. Bah, j'y vais. Je monte. Ouais, ça. Une noix d'arbuste. Ah bah oui, il me faut des noix d'arbuste. Comme ça, j'ai des arbustes. Tu pars où? L'extérieur est mieux géré aussi.
Mais c'est normal, ils ont quelques années d'écart, les deux jeux. C'est pas par là? Attends, je vais par là. Je vais suivre la lumière. Il y en a là? Ah oui, par là, ok. Et ça me fait descendre. Ça me fait, oui, voilà, et je retourne là. Super! C'est quoi ça? Ah, c'est des petits bains. Du coup, j'ai tout chaud dedans. Bon, bah, je sais pas. Ah bah tiens, c'est bien par là. J'avais pas vu. Et ensuite, là. Heureusement que j'ai déjà fait le jeu une fois. Hein. Oh, un arbuste. Arbuste fer à cheval. J'avoue. J'ai l'impression de lui prendre ses balls à l'arbuste, regardez ça. Elle est belle ta boule, l'arbuste. Non, c'est pas par là. Oh, et puis je sais pas. Bah, je vais aller par là. Ah, ça par contre, ça a l'air d'être là d'où je viens. Et je n'oublierai jamais d'où je viens. Bah, je sais plus. C'est qui? Je suis censée monter, mais je sais plus par où c'est. Vous promets, je fais pas exprès. Je pense que c'est forcément à l'extérieur que je saurais ça. Voilà, là je monte. Et je me coince. Professionnel ! Merci, je te me donne à fond là. Ah, je redescends ! La couleur, c'est pas de l'eau. Ah, j'ai dit que c'était un bain, mais c'est vrai que ça peut être un bain de plein de choses finalement. Ah là, je monte là. Là, c'est bien ça. Voilà. Voilà. Bim. Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. J'ai pas compris ton message, t'es trop. There'll be hell to pay. Wait. Who are you? Stay off. Une méchante, oui. Ah la chouin. The woman in the exosuit has been traced as far as. Je suis la femme à l'exosquelette aussi loin que ma technologie le permet. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Chanson de Shaim. Ok. Bah mon perso c'est totalement une femme de couleur en vrai. Faut savoir hein. J'ai pas besoin de scanner ça. Ah bah si, peut-être. Bon, je scanne tout. Oh, la carte. A map will come in handy. C'est bien ça. I should be able to find my way to Phi Robotics where Sam works. Jukebox, on a déjà un CD. Mais ouais, je me doutais que c'était... Mais il y a plein de chansons qui disent « Je n'oublie pas d'où je viens, machin. » Je pense, hein. En frais. Scanne-moi. Oh, scanne-moi. Haut-parleur, où es-tu? Ok, bien. Ah oui, non, j'ai scanné un truc. Mince, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai trifouillé dans mon scanner et du coup maintenant ça me met pas au dernier truc que j'ai trouvé, c'est chiant. Lit de Fred. Là, des posters. Communications tower maintenance. Jour de maintenance des tours de communication. Pas un jour ne se passe sans que les furies ailées ne commettent un nouvel outrage. Après avoir détecté une énième interférence, je suis allé voir de quoi il en retournait. De quoi il retournait. Et comme d'habitude, j'ai constaté des stalagmites gelées composées d'excréments d'oiseaux. Ok.
Ma carrière risque d'en pâtir. Encore une carrière. Encore que carrière soit un bien grand mot. Mais je me demande si les volatiles n'ont pas après moi. Mais c'est quoi les volatiles? C'est les petits pingouins? Je suis assaudie pendant une semaine à cause d'une vilaine grippe. Et à mon retour, la tour était impeccable. Parvan s'est fichu de moi quand je lui ai demandé comment il s'était pris pour nettoyer. Parvan ne nettoie jamais rien. Il ne reste plus qu'à démissionner. Si je le fais, les oiseaux auront gagné. D'accord. C'est même parano, les gars. Ouais, Throne and Liberty, c'était sympa, ouais. Le problème, c'est que j'ai voulu jouer aujourd'hui et j'ai pas pu me connecter encore. Mais c'était dans l'après-midi. Je pense que ce week-end, ça va être un peu la même. On verra. J'essaierai demain hors live de me connecter. Parce que j'aimerais bien tester des bulles et tout. Et je sais pas si en live, ce serait très passionnant. De toute façon, demain, on fait du marble. Oh, la petite photo! Oh, je l'ai pas scanné, j'aurais pu. Ok. Je ramasse vraiment que des objets qui ne sont pas à moi et qui ne me sont d'aucune utilité. Un mug, une photo, un nécessaire de rasage. C'est, on dirait vraiment une psychopathe dans la chambre de son crush. Super, des poils. Je vais les ramasser, ça pourra m'être utile. Bon, j'ai toujours pas de fabricateur, je crois. Hein. Peut-être que là, ça l'a débloqué, remarque. Donc, quoi qu'il arrive, faut que je scanne tout ici. Que j'ai pas à y retourner. Ah, je peux pas ouvrir ça. Non. Bien dommage. Ah, des rideaux. Dis donc, des rideaux. Oh bon. Oh, les rideaux. Truc de fou. Il y a plein de jeux où il n'y a pas de rideaux. Voilà. C'est vrai. Il n'y en a même pas dans House Flipper. Vous vous rendez compte, il n'y a pas de rideau dans House Flipper, dans le jeu de base en tout cas. House Flipper 2. J'ai pas joué au 1. Salle de scanner. Ah bon. Oh bah tiens, il est là. Merde, j'aurais pu le ramasser. Ah c'est bon. J'aurais dû le ramasser plutôt que de scanner, ça l'a détruit. C'est con. Ah les oiseaux. C'est ces oiseaux-là qui le rendent parano. Je pars du au lit, moi. Et je vais rentrer parce que j'ai froid. Cushy setup. Must belong to one of those higher uppers. C'est cosy ici. Bah ouais. Enfin, sans la neige, quoi. Ouais. Beaucoup trop aigu, par contre. J'ai vu l'aquarium, ça me rend heureuse. L'idée Manuel nous fait chier, Manuel. Mais qu'a démissionné, Manuel. Sam really got under management skin. Mise au point. Bonjour très cher clan polaire. J'aimerais vous faire part de nos résultats et d'un changement de cap. Le projet Manchounet Espion est une franche réussite. Je vais vous demander de féliciter Samantha Ayou pour son travail. Elle est désormais affectée à l'avant-poste 0. Avec un peu de chance, ces nouvelles initiatives verront... Ah, j'arrive en me demandant ce que les dégènes auront choisi que ferait leur streameuse. Et là, surprise, Sunotifoche. C'est le deuxième. Merci Aurel pour ton 26e mois. Merci beaucoup. Bam bam bam. Merci, merci beaucoup pour l'abo. Pour le resub. Et toi, ça fait quoi ce soir? Et ouais, c'était ce Nauticoche très très largement. Le seul jeu où j'ai vu des rideaux qu'on pouvait faire, c'est Small Land. Il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que les rideaux dans les jeux où tu... Enfin, dans des jeux où t'as du craft, pouvoir mettre des rideaux quelque part, ouais, t'en as pas trop. Et même des jeux un peu créatifs et tout, bon, bien sûr, il y a les Sims, hein, où il y en a, mais quand tu vas du côté un peu plus jeu de survie, tu vas avoir plein d'objets de déco qui n'auront pas trop d'importance. Il y en a dans... Je crois pas qu'il y en ait vraiment. Dans Palia, je crois pas. Ou alors ils en ont rajouté, mais il me semblait pas. C'est toi, salut, j'espère que tu vas bien. Un grand bravo également à Daniel Valenti pour son... et à son équipe du Labo Omega maintenant. La vente de Fear Robotics a été conclue, nous allons pouvoir réattribuer une part importante aux recherches sur la bactérie Cara. C'était dans l'ancien jeu, ça? Je sais plus. Il contribuait grandement aux sciences du vivant.
Bravo à tous pour votre travail. Je vous promets, je ne vous promets rien, mais sachez que vos exploits ne sont pas passés inaperçus auprès du QG. Si vous continuez comme ça, il y aura peut-être des primes à la clé. Ouais, c'est ça. Il a bien un discours d'Emmanuel, ce connard, hein. Il a bien un discours d'Emmanuel, hein. Ta gueule, Emmanuel, tu fais chier, Emmanuel. Emmanuel Desjardins, Emmanuel ta mère. Tiens, Emmanuel Desjardins. Tout ça pour ça. Mais bien sûr, je m'en crafter un. Mais tout ça pour ça, quoi. Palia, il y en a. Ça prouve que Palia était quand même... Enfin, j'avoue que j'ai chic à la flemme d'y jouer maintenant. Je verrai si ça me revient un moment. Bizarrement, j'ai réussi à me remettre de temps en temps. Vraiment de temps en temps. Mais j'ai réussi à me remettre à Animal Crossing. En jeu chill. Il doit être un sup. Emmanuel est un sup, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. David, you'll be happy to know. Tu serais ravi d'apprendre que le clan polaire avance à un bon rythme. À croire que mon style de gestion est parfaitement adapté au... Oh, comment il s'auto-suce ? Oh, il s'auto-peupon ! Mon style de gestion est parfaitement adapté aux planètes isolées. Bien sûr, oui, gestionnaire de génie. Je le déteste. Tu me manques, mais j'ai l'impression que même si on s'entend à merveille, on a presque mieux. On est presque mieux chacun de notre côté. Ah oui, donc tu me manques pas du tout, du coup. Tu as vu Prosperina qui s'est bien débrouillée à son dernier spectacle. Je regrette de ne pas avoir été présent. Oh, le père absent en plus qui dit bah finalement on est mieux chacun de notre côté. Oh, mais quel connard, mais je le déteste. Et toi, cette mission terminée, je compte rentrer quelques mois, ce sera l'occasion de revoir nos attentes et de faciliter les séparations sur longue période. Mais il parle tellement comme un gestionnaire, quoi. Horrible. Un tel pour améliorer notre vie sentimentale et notre quotidien en général, bien sûr. Et n'oublie pas surtout d'acheter ma formation pour le bonheur. Je vous apprends le bonheur, juste tout simplement. Je t'aime de tout mon cœur, bien sûr. Tu sais que je trouve ça... Attends. J'espère que tu mèneras à bien tes projets, tu sais que je trouve ça super sexy. Mais quel enfer! Mais c'est quoi ce mec? Mais quelle abomination du capitalisme, là! Le mec qui bande sur des projets terminés! Ah! Oh là là, il se branle sur sa fiche de paix, lui, hein. Tu le détestes. Ça pue l'amour, ce message. J'aurais pas dit mieux, ouais. Ah, ça pue le romantisme aussi. Vache! Quel enfer! Tower maintenance log. Ah, c'est là qu'il va falloir que j'aille. Okay. This time, the birds have really done it. Les oiseaux ont dépassé les bornes. Ah oui, c'est celui qui se bat avec les oiseaux tout le temps. Je ne sais pas en quoi consiste leur régime alimentaire, mais leurs déjections sont corrosives. Va falloir recâbler. Il me manque un élément pour fabriquer le bon câble. Mince. Je me souviens bien, j'ai aperçu ce dont j'ai besoin vers le vieux vaisseau. Il ne me reste plus qu'à y replonger pour le récupérer. Ça devrait faire l'affaire. Oh là ! Le message est trop balèze. Il a nommé la fille Prosperina. Ouais, c'est vrai. On est dans le turfu après, ça, bon. On part de situation. Ah, faut que je me mette au chaud. Bah, j'ai eu un rapport de situation, mais je ne sais pas où il est. Je ne me le dis pas. Deux formes de vie humaine détectées. Ok. Ok, bah je vais me démerder, hein, c'est pas grave, hein. Bon, je peux monter, je vais monter. Oh, les radiateurs, oui. Les Sims, ils jouent que pour la déco. Moi aussi, ouais, je comprends tout à fait. J'ai eu quoi? Mince, mais ça me montre plus les PDA et tout. Montre-moi tout, s'il te plaît. Là, je sais pas ce que j'ai eu. Je suis dans le froid, faut pas que je reste longtemps comme ça, rien foutre. C'est ces petits pièces là apparemment. Ah, je tombe.
Je me suis fait mal. Mais ça dégoûte. Mode d'emploi que j'ai eu. Ah bah ça, c'est, il faut que je lise ça. Putain. C'est quoi ça? Ouais, bah 2 secondes. Professeur. Fermez-la. Ah, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès, vous allez faire quoi? Putain, putain. Je m'en vais de cet endroit, il est trop dangereux pour moi. Il reste pas de toi. Ah, je crame. Métis. Ça me sert à rien. Vital signs stabilizing. Arrêtez. Arrêtez de me harceler. Vous êtes trop des harceleurs. C'était quoi? Mode d'emploi, bah c'est ça alors. Formation des nouveaux employés, les conseils déterminer la formation avec la tour en mode test. Le mode test. C'est le meilleur. Merci. Sans le savoir. Et parfaitement fonctionnel. Il s'agit d'une... Ça c'est bien, ça c'est gentil. Il s'agit d'une simulation fonctionnelle. Non, d'une simulation en mode live. Du mode live. En mode test, l'ensemble des communications de la tour, notamment les signaux de détresse, les mises en garde de sécurité et les transmissions sont désactivées. Pour démarrer le mode test, introduisez le module de passage en mode test dans le port de diagnostic, comme l'indique le diagramme à gauche. Il est possible d'activer le mode test une fois le module de passage... Ok, mais qu'est-ce que j'en fous de cette info? Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Je sais même pas à quoi tu sers! Bah, je vais introduire mon module. Tu vas te prendre mon module, tu vas voir. T'es pas prête, moi je te le dis. Je sais peut-être pas. T'inquiète pas, je vais te le sortir mon module, moi. Vous voulez voir mon module? Yogi 18. Je suis fou les deux. Ouais, coucou, ça marche pas trop, Verlan, effectivement. Ça marche, Aurel. Essaie de me pioter, j'espère que tu y arriveras. Des bisous, mon dodo. Merci beaucoup. Merci pour le resub. J'espère qu'il t'a plu le jeu de ce soir, je t'ai même pas demandé. Je le connaissais pas du tout, mais j'ai pas pu passer voir. Faudrait que je regarde un petit peu ce que ça donne. Faut juste qu'il y ait les oiseaux, m'embêtez pas. C'est des raies célestes. Gorogoa et c'est mortel. J'ai fini. Ok. Faudrait que je vois alors. Je peux ramasser de la neige. Je peux ramasser de la neige. Je vais te le niquer le piaf à moi. Bon, en vrai, faut que je vous scanne, les gars. J'ai froid. C'est vous scanner. Je vais mourir de froid. C'est trop chiant, ils sont hyper hauts. Laissez-moi vous scanner. Je peux vraiment pas monter sur cette pierre. Oui, je t'ai eu. Petite phase de raie là. Professionnel. Merci. Bon, alors on nous a montré un endroit où il faudra aller. Donc on va y aller, mais on va rentrer d'abord. Locke, c'est la meilleure. Merci beaucoup. Je me suis donné à fond, hein. Vous avez vu. Et faudrait voir pour se faire une base, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que je me fasse ma base pas trop loin de cet endroit. Je pense. Parce qu'on va y faire des petits allers-retours. Hein. Ah, c'est bien ça.
J'aime bien, ils font trop genre l'or, c'est une ressource vachement précieuse et tout. Dans le premier en tout cas, c'était pareil. Et ça servait pas à grand chose, ça servait à 2-3 petits trucs, hein, mais bon, c'est vraiment le cuivre, la denrée ultime dans le premier. Dans celui-là, je ne sais plus. Ah ouais, mais j'ai trop de trucs. Qui c'est ? Pas interagir. T'es quoi ? T'es qui ? Et toi ? Je peux pas m'accroupir normalement ? Ah non, on peut pas ? Si, peut-être c'est... Non, même pas ! Il y a du diamant là ! Oh ! Il y a du diamant ! M'en fous, j'ai plus de place. Mais je boude un peu. Je veux dire, accroupir, tu t'es pété 3 chevilles et 5 genoux. Ça va, j'ai à peine perdu de la vie. J'aurais pu être pire, j'aurais pu m'arracher l'ongle. Bim ! Dans ma gueule. Oh, là, j'avoue, je cherche un peu la merde, là. Oui, quand tu bois, on dirait une tasse à café. Mais oui, ça m'énerve. Personne boit jamais comme ça, on vend des... Vas-y, je vais laisser un titane. Ça, je sais que j'en trouverai plus souvent. Je vais prendre un truc comme ça. Bon bah, rentrez à mes yeux, c'était sympa, bisous. Bisous, les copains. Je suis rentre. Ah, mais non, mais j'ai des. Eh, tu. On se calme, hein. Il m'attendait tellement. Attends, tu vas voir. Attends. Tiens. Mais c'est tellement énorme. On se rend pas compte dans l'eau. Normalement, c'est normal. Je vais aller par là, hein. Faire un petit tour à pied. Bouge pas, je clip. Je bouge pas. Il est où mon... Il est là. Petite sauvegarde, tiens. Je me dis, là, c'est bien. L'arme ultime, la boule de neige. Je l'ai vraiment tenté premier dog. Je me suis dit, peut-être... Tu as un malentendu. Il y avait peu de chance, quoi, que l'eau froide lui fasse un moindre effet, vu qu'il vit dans l'eau froide. Bon, je rentre à la maison, de toute façon j'ai pas la place donc je peux pas scanner grand... Enfin si, je peux scanner les trucs mais je peux rien ramasser. Ouais bah je m'en fous. Sauf si d'un coup j'ai plus de piles, je m'en foutrais un petit peu moins. C'est ça, peut-être qu'il va la chercher, la rapporte. Mais c'est chaud de rapporter une boule de neige. Après, ils ont des super pouvoirs, c'est des aliens. Oh, c'est vrai que dans ce jeu, il n'y a pas le Seamoth. C'est vrai. Meilleur véhicule de tous les jeux vidéo du monde. Bravo pour l'éclipse, ça faudrait que je regarde ça. Petit truc du cul là, oui je crois hein. Ouais c'est ça. Bah après on peut le rendre petit le Seatruck.
Ouais, d'ailleurs, faut que je fasse un TikTok ou un short bientôt, là. Tu as raison de me dire ça. Tu as tout à fait raison. Ok. Moi, ça, c'est bien. Va falloir que je... fabrique des trucs. Mais c'est vrai que j'ai pas de... Il me faut du stockage, là. Vine avait raison. Après, je peux tout poser aussi à l'arrache, je crois. Hein. Genre là, ici, je peux foutre plein de trucs à l'arrache, je crois. Il en ramassera tout à l'heure. Normalement, ça reste. Normalement. On verra. Fabricateur. Constructeur d'habitat. Transforme les matériaux bruts. Bah tout à fait. Kit de câblage. Normal, hein, pas avancé. Moi, je crois, ouais. On est déjà à 2 heures de VOD, il va falloir que je cut après avoir fabriqué ça quand même. J'ai envie d'aller faire pipi. Oh, j'ai des frissons. Kit de câblage et il y avait un autre truc. Circuit intégré. Oh, c'est chaud. J'ai oublié, c'était quoi kit de câblage? Il y avait ça. Sûrement. Ah non, mais c'est de l'or que j'ai pris, je m'en fous de l'or. Je crois. Hein. Ah, j'ai pris de l'or. J'ai quoi dehors? Ah, mais y'a tout qui tombe! Oh non! Ah, y'a tout qui tombe ici! C'est ma petite grotte à compo! C'est de l'or? Vas-y, je laisse tout mon or ici. Voilà. C'est ma petite grotte à compo. Juste en dessous de moi. C'est bien ça. Tu peux épingler les recettes, mais c'est vrai, t'as raison. Pourquoi je me fais chier, moi? On avait dit le truc. Voilà, déjà ça, au moins je verrai. Ouais, non, mais je sais que c'est circuit intégré, machin. Circuit intégré, du coup... Ah, ok. Fil de cuivre, c'est ça qui va être chiant parce que j'en ai plus du cuivre. Ah, il me faut de l'or aussi. J'ai jeté mon or. Jeté tout mon or. Yo, Podocast, comment ça va toi? Pas de Simos? Tu vas te déplacer comment? Il y a un autre véhicule en fait, qui est un peu différent et un petit peu moins... moins trillant. Il a un autre principe. Coucou Jolurk, coucou Katsupi, bon Lurk. Eh ben il me faut un tout petit peu de cuivre. Donc je vais vite faire en chercher. Mais vraiment je vais pas prendre beaucoup, c'est le minimum qu'il me faut pour me faire le truc de constructeur d'habitat parce que une fois que je l'aurai fait au moins je vais commencer à me faire un tout petit bout de base avec du stockage. Et les 2-3 autres trucs utiles et puis on se contentera de ça au début. Non. Laisse-moi tranquille. C'est pas cela le cuivre? Oh, je sais plus. C'est cela. Quand il donne du cuivre. Jette son or, elle va finir à l'ouest. Ça pourrait être un slogan de pub, ça. Ah, du cuivre. Un deuxième okazouzou. Allez, maintenant là. Non. No. Là, cuivre. Oh, j'ai tellement pas de chat. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Hop, voilà. Un détecteur de matériaux. C'est vrai que j'avais ça, c'est vrai. Mais c'est trop tard, j'ai trouvé mon cuivre. T'aurais pas pu me le rappeler avant? Faut tout faire quoi. J'ai plus de place, je me tiens. T'as fait, j'ai plus de place. Faudrait que j'aille là-bas. Ça faut que je désactive ça. Quoique, c'est en suivant ça que je peux trouver le Léviathan qu'on a toujours pas scanné.
Ah, vous avez fait du létal ensemble avec Atchoupi. Modé ou pas? Ah, moi j'ai trop envie d'organiser une grosse session modé là. Avec 200 mods. Mais bon. Faut que je fasse ça, faut que j'organise. Faut que je propose aux gens. Fil de cuivre, hein, tout à fait. Ah, mais mince, les bouts de coraux. C'est lesquels, bouts de coraux? De là, hein, je pense. Ah. Des coraux rouges. J'ai un cheveu sur mon nez. Du coup, ça m'a un peu gratouillé le nez. J'ai les jambes croisées, c'est pas bien. Non, mais vraiment, ils sont où ces petits coraux? Bon, je vais tenter ceux-là, mais j'y crois pas trop. Non. Un morceau de calcaire, attends. Comment je gère ce truc? Ah ouais, d'accord, on peut faire comme ça. Ah, table de corail. Vas-y, recherche. C'est ça qu'il me faut. Il n'en trouve pas? Oxygen. Mince, il trouve pas. Il met juste recherche. Je suis dans la sauce s'il me trouve pas les tables de corail. C'est un truc de base ça normalement. Peut-être que je l'ai pas encore scanné. C'est un corail que j'ai pas encore scanné, c'est peut-être ça. Mais je pensais pas qu'il serait dans la base de données s'il était pas déjà scanné. Mais c'est du corail, c'est des échantillons de corail plat de base, hein. Comment ça se fait que je les trouve pas facilement? C'est parmi les premiers compos que je dois avoir normalement. Le nord, c'était les coraux, exactement. Récupérer ça, je sais pas pourquoi. J'ai plus de place, moi, c'est chiant là. Modé, on était 8. Ah, nice. Ouais, je les ai encore, ouais, Kato. En tout cas, le tout dernier, je l'ai pas mis dans ma liste. J'ai pas lancé le truc de mode pour le mettre. Mais j'ai juste à remonter la conf, ça c'est pas très grave. Et ça avait l'air bien quand t'as vu la team du lundi dessus. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Bon, j'imagine. J'imagine. Eh ben, j'ai pas de coraux. Ok. Bah, c'est chiant. C'est super chiant, en fait. Ouais, ça dépend, ouais. Peut-être faire un tri. Bon, bah ça, je le mets, c'est fait. Ça me sert à rien, ça va dégager. Je sais pas pourquoi j'ai ramassé tout ça. J'ai mis une tonne de trucs, ouais. Bah je sais pas, j'hésite à cut la VOD à ce niveau-là parce que je sais pas, c'est très intéressant de voir ma recherche des coraux. Table de corail, mais comment ça se fait que je n'y trouve pas? Truc d'argent, or. Galène, fragment de nom, dépôt de sel, il sait pas, titane, souffle, affleurement, machin, plomb. Les tables de corail, non, il sait pas du tout. Il sait pas me dire où il y en a. Ouais, mais sans ça, c'est chiant, il me faut le fabricateur, là. Ça va être trop relou, sinon.
oxygen. Il faudrait qu'on voit sur les espèces d'anémones géantes mauves. Ça là ? Ça là ? Bah non, j'ai essayé de les taper, ça fait rien. J'y crois aussi. Juste au-dessus. Ah, tu veux dire elle ? Les... Ces trucs là ? Ah bah attends, je peux essayer. Oula ! On a une qui a l'air d'avoir des courants rouges. Flash. Bon, c'est vrai que là c'est la nuit donc c'est pas le plus pratique. Oxygen. J'ai pas vu de courant rouge, t'avoue. Ces trucs là ? Non, c'est des champis. Ça là peut-être ? J'avoue que là tout de suite je vois pas de coraux rouges. Dans le gros ventre ? Bah c'est ce que j'ai fait ? Ah ça, punaise ! Ah ouais, je les voyais pas. Est-ce que je peux les scanner ? Non. Je peux pas les scanner, je peux pas les prendre. Oh fuck, je vais essayer ailleurs, c'est peut-être l'endroit qui est buggé. Non. C'est du décor, je pensais, ouais. Bien joué, c'est vrai que ça aurait totalement pu être ça, ouais. Oxygen. Eh ben non. Et ça m'aurait arrangé, parce que ça voudrait dire qu'il y en a partout. Désolé. Non mais t'as eu raison de me dire ça. J'avais même pas remarqué, donc donc ça me force à être un petit peu plus attentive. Et eh ben écoutez, je vais cut la VOD ici, parce que là on n'est pas sur de la recherche très passionnante. J'en relancerai une quand j'aurai un petit bout de base. Voilà. Des bisous, la VOD. Vous pouvez dire bisous à VOD ? S'il vous plaît. Un décalage. Merci. C'est bon, je cut. Merci beaucoup.